qu'Allah accepte nos prières, Aladji. Amina, ya Rabbi. Mais Aladji, mais mon désir pour aller à la Mecque pour le pèlerinage, qu'en pensez-vous? Toi-même, tu sais que ce n'est pas possible. Pourquoi? Aller à la Mecque, c'est minimum 2 à 3 millions de francs CFA. Hein? Si on prend 50 000 chaque mois comme épargne, ça fait 600 000 en 12 mois. C'est-à-dire 3 ans d'épargne ne suffisent même pas pour t'envoyer à la Mecque. Jésus! Que quoi? Hein? Dois-je aller voler? Non, faut laisser tomber. Hein? Quand on aura les moyens, on va aller. Laisse tomber la Mecque là pour l'instant. Hein? C'est bien dommage. Si j'avais pu partir à la Mecque pour le pèlerinage là, j'allais vous soutenir pour prendre une seconde épouse. Et oui! Et qui suis-je pour ne pas t'amener à la Mecque? Et puis, si moi-même je t'envoie à la Mecque, là, c'est une bénédiction pour moi. C'est un acte très salutaire. Oui! Je vais t'envoyer à la Mecque. Je tourne dans mon tête. Je m'en vais chercher la solution comme ça. Ne t'inquiète pas, tu iras. Merci d'avance, là. Eh, Cheikh, salam alaikum, Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah alaikum. C'est Allah même qui m'a mis sur ton chemin. Ah. En fait, j'ai un petit souci. Je veux vraiment envoyer madame en pèlerinage à la Mecque. Mais je ne sais pas comment on fait pour avoir un financement. Non, Alaki, ça c'est un petit souci. Il te faut juste aller à Foukret et tu auras un financement pour ça. Ils sont juste situés sur l'avenue Kwame Nkrumah, également à Sankariare, en face du service des impôts. Merci beaucoup, Cheikh. Merci beaucoup. J'y vais là-bas tout de suite. Là. Allez, bonne journée. Applaudissez. Afrique, ah, c'est vrai. Je vais mettre 52 000 dinars tout de suite. Ça marche. Salam alaikum, Adja. Salam alaikum. Oui, tu es Adja. J'ai obtenu un prêt avec Afrique pour pouvoir t'envoyer en pèlerinage à la Mecque. Eh oui. Merci beaucoup, Aladji. Oh, je savais que je pouvais compter sur vous. Voilà, maintenant, pour deuxième femme là, je peux déjà commencer les préparatifs du mariage, non? Regardez ce qui va se passer ici. Préparatifs du mariage? Donc en quelques heures là, vous avez déjà trouvé une femme? Yeah! Non, moi, femme, non, 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 moi, j'ai pas dit que j'ai trouvé la femme. Du genre, voilà, si je trouve au cas où quoi, sinon j'ai pas encore trouvé, au cas où je peux commencer les préparatifs, non? Jamais! Il faut laisser à mon retour de la Mecque. Je vais vous donner la permission. Et si et seulement si vous avez pu gérer les finances familiales avec Afrique Red? Non, ça sera géré. Considère que les finances là sont bien gérées. Parce que moi, je suis chef financier. Depuis que moi je suis petit, à l'âge de 1 an déjà, c'est moi qui gardais l'argent de papa et puis maman. Mensonge! Moi je faisais tontine 10 bras. Sinon, jamais 203. C'est la deuxième, c'est la troisième, la quatrième. Ah, ça fout la haine. Maman Nangaï! Ah bon, hein?